Bonjour à tous et à toutes. Je me présente, Régine Le Turc. Je travaille au département son vidéo multimédia. Je suis en charge de la valorisation des collections et des partenariats. Je suis ravie de vous accueillir tous ici et surtout de lancer la quatrième édition du cycle, la quatrième occurrence du cycle des nouvelles écritures qui a débuté cette année, le 13 janvier, à la Bibliothèque nationale et qui s'achèvera mi-mai avec une conférence, une table ronde sur la bande dessinée numérique. Aujourd'hui, donc, nous accueillons la seconde édition de Pixie hors les murs. Nous sommes ravis d'avoir tissé un partenariat étroit avec le Sunnyside et Pixie pour la valorisation de ces expériences immersives, de ces expériences innovantes. La question de l'hybridation dans l'écriture du documentaire sera aujourd'hui abordée à partir de l'étude d'un cas que je te laisserai le soin de présenter. Et nous verrons comment la frontière entre le documentaire, le jeu vidéo et les expériences immersives sont de moins en moins étanches. Ces rencontres ont toute leur place au sein de la BNF, puisque nous collectons, nous préservons, mais aussi nous valorisons ces expériences dans les salles du Haut Jardin et bientôt en salle du Red Jardin. Cette collecte se fait surtout par le biais du dépôt légal, qui est une des obligations de la bibliothèque et qui nous permet de tisser des liens avec les éditeurs et les producteurs d'œuvres qui sont ici présents et qui nous permettent justement de valoriser ces expériences. Je souhaite donc vous remercier tous pour cette organisation. Je remercie les intervenants qui sont à distance. Bonjour mesdames. Et sur ceux qui ont eu la chance de se déplacer. Bonjour monsieur. Il n'y a pas que des femmes ce soir. Merci à Stéphane qui assurera la médiation et puis le dialogue avec les intervenants et avec vos questions. Je tiens également à remercier toutes les personnes qui permettent la réalisation de cette rencontre, donc les techniciens qui sont là, qui assurent la retransmission. Merci aux équipes qui ont organisé, Muriel Couton, Frédéric Ramirez et Richard Dao, qui nous permettent justement d'organiser tout cela. Et puis, bien évidemment, au département, son vidéo multimédia, en la personne de sa directrice, Pascale Isartel, qui ne peut pas être avec nous aujourd'hui. Merci à Nicolas Lopez et Elodie Bertrand du service multimédia et à Alexia Vanet du service vidéo, qui œuvre justement pour la collecte de tous ces biens culturels qui sont si précieux à la bibliothèque. Je rappelle que cette table ronde sera visible encore quelque temps sur le site de la BNF. Donc je laisse la parole à Stéphane et je lui laisse le soin de présenter les intervenants et la suite de l'organisation. Merci beaucoup. Je vais continuer dans les remerciements. Merci à l'équipe de la BNF. Merci à la SNCF, parce que ça m'a permis d'arriver à l'heure, ce qui est assez notable, donc c'est une bonne chose. Je me présente, je suis Stéphane Malagnac, je suis le responsable du développement de Pixie Festival, et je serai, comme l'a indiqué Régine, le médiateur et le modérateur de cette session. Alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas Pixie, rapidement, Pixie Festival, c'est à la fois un événement grand public et professionnel, qui a été conçu en 2017 en étroite synergie avec un événement qui, lui, est entièrement professionnel, qui est le Sunnyside of the Doc, marché international du documentaire et des expériences narratives qui se déroule fin juin à La Rochelle. Cette année, la 32e édition de Sunnyside of the Doc et la 5e édition de Pixie se dérouleront du 19 au 24 juin, à la fois en ville, à La Rochelle, j'en parlerai un petit peu plus tard, et naturellement en ligne sur une plateforme dédiée notamment aux publics qui sont empêchés, qui ne pourront pas se déplacer, puisque Sunnyside étant un événement international, ce sont plusieurs milliers de personnes qui viennent de plus de 60 nationalités. Vous imaginez bien que depuis quelques mois, c'est un peu plus difficile d'obtenir ce ratio-là. Rapidement, Pixie met en valeur chaque année une sélection d'œuvres immersives et innovantes au service de la culture à travers le prisme du documentaire. C'est également un marché où se rencontrent des producteurs, des diffuseurs, des opérateurs culturels et plus largement ce qu'on appelle les LBE ou Location Based Entertainment qui recouvrent une grande diversité de lieux d'accueil du public pouvant
offrir ce type d'expérience. Alors, cette diversité des modes de diffusion a un impact évident sur la façon de concevoir des œuvres immersives, et ce, dès sa phase d'écriture. C'est pourquoi nous allons beaucoup parler aujourd'hui avec nos invités d'hybridation. Donc, avant de démarrer cette conférence, il me semble tout à fait normal et même obligé de vous les présenter, ces intervenants. Alors, nous en avons deux qui se sont confinés dans des lieux visiblement fort sympathiques. Je vais commencer par Sophie Parot. Sophie, bonjour. Vous êtes productrice au sein de la société Little Big Story, qui développe des produits des documentaires internationaux, mais vous êtes également productrice pour Little Big Story Lab, qui produit donc des contenus digitaux. Jeanne Marchalot, vous êtes au sein de France Télévisions responsable du France.tv Story Lab et conseillère de programme, alors films, applications en fiction et documentaire, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, en réalité mixte et même en intelligence artificielle à la direction de l'innovation et de la prospective. À ma droite, Déborah Papiernik, en qualité de directrice du développement des affaires et des alliances stratégiques chez Ubisoft, votre mission est de développer des marques et expertises au-delà du jeu vidéo et avec de nouveaux partenaires, donc les fameux LBE dont on parlait, mais également les secteurs de la santé, de la mobilité, de la culture. Donc vous nous exposerez ça plus en détail tout à l'heure. Alexandre Roux, bonjour Alexandre, vous travaillez pour Lucid Realities comme responsable de la distribution, qui est un point essentiel pour les œuvres immersives. On en reparlera tout à l'heure également. Fondée par Chloé Jarry, que nous saluons, Lucid Realities est une société de production et donc de distribution d'expériences immersives. Et vous essaimez, on va le dire avec succès, vos productions dans de nombreux musées dans le monde entier. Enfin, de nouveau retour à l'écran, Camille Duvelleroy, qui donc n'est pas présente mais que nous saluons, qui est scénariste et réalisatrice. Camille, on va dire que parmi vos créations et réussites, on peut citer la Été, la série sur Instagram produite par Bigger Than Fiction pour Arte, ou alors la grande histoire d'un petit trait, qui est une application produite par Bachibouzouk avec France Télévisions, et naturellement Lady Sapiens VR. Donc merci à vous cinq d'avoir répondu présent et quasi automatiquement à cette invitation ce soir. Avant toute chose, peut-être afin que vous qui êtes devant vos écrans, vous puissiez un petit peu plus contextualiser ce que recouvre Lady Sapiens, on va peut-être lancer la première vidéo. We'll be right back.
Voilà, je pense qu'on a déjà une bonne image de ce que représente l'écosystème Lady Sapiens. Juste un point de précision que j'ai omis de vous soumettre. Naturellement, pour celles et ceux qui sont devant leur écran et qui ont des questions à poser, vous pouvez utiliser la section chat de YouTube. À la fin de la session, à la fin de cette conférence, nous prendrons un peu de temps pour que on puisse prendre quelques questions sélectionnées et que nos intervenants en ligne et physiques puissent y répondre. Alors, on va d'abord parler de cet écosystème Lady Sapiens parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une expérience VR, mais bien d'un ensemble de contenus linéaires, immersifs, que l'on peut découvrir séparément, mais qui ont une cohérence narrative assez évidente. Alors, Sophie Parot, peut-être, pouvez-vous commencer par dérouler un peu la chronologie des différentes productions et l'implication des différents acteurs présents sur ce plateau, mais il y en a d'autres également, je pense notamment à Thomas Sirotto, à Éric Pincas ou à Jacques Malaterre. Tout à fait, merci Stéphane déjà de nous avoir invités autour de ce projet Lady Sapiens, qui, je crois, nous tient tous à cœur. Et effectivement, c'est avec Thomas Sirotto, Jacques Malaterre et Éric Pincas, les auteurs du documentaire, que tout a commencé, on va dire, il y a bientôt 3 ans, même il y a 3 ans aujourd'hui, puisqu'on était en train de réfléchir après avoir terminé un documentaire précédent qui s'appelait « Qui a tué Néandertal ?», déjà avec France Télévisions, à un prochain projet. Et en réunion, on se parlait de Homo sapiens, et à côté de ça, dans la vraie vie à côté, on parlait de MeToo un peu partout. Et on s'est dit, mais et la femme dans tout ça, pourquoi pas, qu'est-ce qui se passe pour les femmes pendant la préhistoire, est-ce qu'on a des choses à raconter? Et ils sont partis en quête d'un état des lieux scientifique, en fait, de la place de la femme dans la préhistoire. Ils ont rencontré Sophie Archambault de Beaune, qui est la conseillère scientifique donc, du programme Lady Sapiens dans son ensemble. Et puis, ils sont venus en disant, mais oui, il y a énormément de choses à raconter. Et on est allé évidemment trouver très, très vite France Télévisions, qui était notre partenaire naturel dans la suite logique du film précédent. Et France Télé nous a dit « Ok, c'est super, c'est une super idée, on adore, mais comment vous allez raconter cette histoire? Qu'est-ce que vous allez mettre comme image en face? On ne va pas faire un 90 minutes avec des gens en labo et sur des sites de fouilles si on n'a pas de femmes à montrer. » Et Jacques Malaterre, qui est un des scénaristes du film, tout de suite réagit en disant « Mais il faut aller voir Ubisoft, ils ont conçu un jeu, donc Far Cry Primal, qui est une licence de jeu Ubi, qui se passe entièrement au Paléolithique. Jacques avait été conseiller auprès d'Ubisoft sur ce jeu et ils ont modélisé un univers parfaitement cohérent au Paléolithique. » C'est ce qu'on a fait, donc on a rencontré de cette façon Ubisoft, je pense que ça a été une rencontre assez évidente des deux côtés. On s'est tout de suite dit oui sans hésitation. Après, on a trouvé les façons de travailler ensemble. Mais donc la première étape, c'était ça, c'était le documentaire. Et puis, très naturellement, Valérie Montmartin, qui est la productrice, créatrice de Little Big Story, me dit, mais ce serait génial de faire de la VR. Ubisoft fait de la VR et on a un sujet en or puisqu'on pourrait se glisser dans la peau d'une femme sapiens. C'est parti de cette idée. J'ai commencé à échanger d'abord avec Chloé Jarry, donc Lucid Realities. Et puis est venue dans l'histoire Camille comme autrice, réalisatrice. Et on a conçu tous ensemble cette histoire sur laquelle assez vite France TV nous a également accompagnés avec son département à l'époque recherche narrative, France TV Story Lab aujourd'hui. Donc ça, c'est pour la base. Et puis de là, on a fabriqué aussi, enfin, on s'est dit qu'on allait fabriquer une histoire en 360 et extraite de la VR. Et puis, en parallèle, et grâce au Sunnyside, d'ailleurs, je tiens à le souligner, on a appris que le paléocide de Saint-Césaire, qui est un site dédié à Néandertal plutôt, mais aux mêmes époques, hein, au paléolithique, recherchait une façon de renouveler ses propositions éditoriales. Et donc, on s'est rapproché du paléocide pour imaginer
toute une série de déclinaisons dont on va parler un petit peu plus tard autour de Lady Sapiens, qui ne s'appelleront pas Lady Sapiens pour le paléocide, puisque la narration est un peu différente et on intègre Néandertal dans leurs histoires, mais on fait pour eux aussi une version du documentaire, de la VR et même un film un peu inédit. Voilà pour poser un peu le décor de tout ça. Et le dernier né, on va dire, du bébé de Lady Sapiens, c'est Lumni, avec qui, par l'intermédiaire de Jeanne Marchalot, on a décidé de produire également des capsules éducatives à destination donc d'un public scolaire ou de collégiens qui étudient la préhistoire. Voilà. Voilà pour l'écosystème aujourd'hui. Un écosystème dense et riche. Et j'oublie, pardon, j'ai failli oublier le livre, puisqu'il y a aussi un livre, Lady Sapiens, qui est écrit par Jennifer Kerner, qui est également préhistorienne, qui est préfacé par Sophie Archambault de Beaune, et en lien également avec les auteurs du film, et qui s'appuie dans sa rédaction sur la somme assez importante d'interviews qui ont été réalisées pour le documentaire, avec tous les intervenants très internationaux du doc, puisque le film est un film très international. Très bien. Voilà. Donc un autre élément de cette galaxie Lady Sapiens, on est bien d'accord, on parle de documentaire scientifique, hein, c'est-à-dire qu'on est, tout est vrai et scientifiquement prouvé. Absolument, on parle de la science. D'ailleurs, le scénario a été écrit grâce au fait que Sophie de Beaune a partagé ses recherches, 15 ans de travail sur de recherches scientifiques sur la répartition des tâches entre hommes et femmes au Paléolithique, avant même leur publication, avec Thomas, Eric et Jacques pour l'écriture du scénario. Et de cette écriture est né le film. Et ensuite, on est allé chercher dans les images du jeu Far Cry la matière visuelle qui viendrait illustrer la science. Mais ce n'est pas l'inverse. D'accord. Merci Sophie pour cette transition toute trouvée. Alors Déborah Papernick, comment un éditeur de jeux vidéo avec des licences mondialement connues se retrouve à être aussi impliqué dans un documentaire et dans au final un écosystème mettant en avant donc cette femme, cette Lady Sapiens? Alors en fait, nous, on crée des jeux vidéo, mais ce qu'on crée surtout, c'est des mondes. Et pour créer ces mondes, on fonctionne un peu comme les producteurs de documentaires, c'est-à-dire qu'il y a toute une recherche en amont. Recherche d'abord sur l'état de l'art, ce qui existe sur le thème qu'on a choisi, mais aussi des échanges avec des experts. Donc, par exemple, Jacques Malaterre, qui était un des consultants sur Far Cry, pour être sûr de recréer un monde qui est au plus proche de la réalité. Après, on prend certaines libertés, parce qu'il faut qu'on préserve l'intérêt du joueur, la partie entertainment, la partie divertissement du jeu. Mais la base du monde qu'on crée, elle est réaliste et elle est ancrée dans la réalité. Ça fait des jeux. Mais on peut aussi en faire d'autres choses. Et quand Sophie est venue nous présenter le projet, évidemment, c'était une évidence de dire, mais bien sûr, ce monde-là qu'on a créé, on peut le mettre au service d'un projet culturel plus classique, d'un documentaire qui va nous permettre de toucher des publics plus larges. Il y a des gens qui ne jouent pas, d'autant plus que Far Cry est un jeu pour les plus de 18 ans et puis un jeu assez gamer. Donc si on n'a pas l'habitude de jouer, c'est peut-être pas le premier jeu auquel on jouera. Mais là, ça nous permet de mettre ce monde-là qui est extrêmement riche, extrêmement précis, à la portée d'un public élargi. Ça permet à des joueurs de partager avec leur famille, ça permet à des non-joueurs de jouer, ça permet aussi que tout ce travail énorme, développer un jeu, c'est 4 ans de travail, ça peut être jusqu'à 1000 personnes qui travaillent ensemble, c'est une somme de travail énorme, et pouvoir la mettre de nouveau à la portée de différents publics via des canaux, des médias différents, pour nous, c'est hyper intéressant. Alors, sur l'aspect du documentaire, on va dire linéaire, quelle a été la collaboration avec les scénaristes, les auteurs? C'est-à-dire que ils ont pris un casque, ils ont plongé dans le jeu, ils se sont fait manger combien de fois, enfin, comment ça s'est passé? Alors, Far Cry, c'est un jeu qui n'est pas du tout en VR. C'est un jeu qui se joue sur console, sur PC, avec un écran classique. Et Thomas Sirotto a énormément joué au jeu. Il a fait ses repérages dans le jeu, comme il aurait fait ses repérages s'il avait dû les faire dans un pays, par exemple. Mmh. Donc, il a fait ses repérages dans le jeu, et ensuite, il a pu écrire toute l'histoire, choisir les moments qu'il avait envie d'intégrer,
Et il est venu s'asseoir à côté d'un des techniciens d'Ubisoft pour faire les captures vidéo à l'intérieur du jeu. Comme on a un monde 3D, on a maintenant, depuis quelques années, on a une caméra qui nous permet de filmer ce qu'on veut à l'intérieur du monde. Donc ce qu'on voit, les images qui vont être intégrées au documentaire, ne sont pas juste la vision du joueur, par exemple avec des combats, avec les menus, avec tout ce qu'on aurait sur un jeu vidéo classique. En fait, on peut enlever tout ça et venir juste filmer ce qu'on veut à l'intérieur du monde. Et c'est ce qu'a fait Thomas, et il a fait une dizaine de jours de capture vidéo à l'intérieur de ce monde, pour ensuite en isoler les moments clés qui vont être intégrés au documentaire. D'accord. Et sur la partie donc, scénaristique, est-ce qu'il y a eu une sollicitation auprès de vous en disant « là, il me manque des éléments de l'univers » et pour raconter cette histoire de façon la plus précise possible, est-ce que vous pouvez créer quelques lieux, quelques... Alors nous, créer des lieux supplémentaires, c'est extrêmement compliqué. Mais il y a une matière tellement riche, et c'est des dizaines et des dizaines d'heures de jeux possibles et de lieux possibles. Il a joué au jeu de base, il a joué à toutes les campagnes supplémentaires. Je pense qu'il est devenu un ultra gamer. Et lui-même a bien identifié les scènes, les moments, les lieux dont il avait besoin pour illustrer son propos scientifique, puisque comme l'a dit Sophie, on part vraiment de là. Et je pense qu'il les a trouvés dans le jeu. Et après, le documentaire, ce qu'il n'a pas trouvé dans le jeu, il a pu aller le chercher ailleurs. D'accord. Alors, comme on le disait, Lady Sapiens, c'est aussi une expérience VR. Et donc, Camille du Véloroi, notre cœur de sujet, c'est l'hybridation dans l'écriture. Donc, comment est-ce que vous avez conçu la narration qui fait appel à plusieurs médias, mais pour avoir une cohérence dans l'expérience ? Est-ce que vous avez travaillé avec les auteurs du documentaire linéaire ? Est-ce que vous avez essayé d'avoir des ponts évidents au-delà du fait qu'on travaille dans le même environnement ? Est-ce que vous avez été bloqué par certaines choses ou au contraire, vous vous êtes dit bah, « c'est très bien, tout est facile ». Je suis partie du socle qu'a décrit Sophie, en fait, c'est-à-dire l'étude enfin tout le travail de Sophie Archambault de Beaune et le scénario de Thomas pour le documentaire linéaire. Et ensuite, il y a quelque chose qui est essentiel, en fait, quand on va aller vers l'hybridation et que il fallait que j'en fasse moi un scénario à la première personne incarnée. Il faut trahir en fait ce qui a déjà été écrit, donc il faut se le réapproprier et il faut casser les scénarios qui ont déjà été écrits en créant dédié à Lady Sapiens VR. De la même manière que Déborah disait, donc, il y a jeu vidéo, moi la chance que j'ai eue avec Ubisoft, c'est qu'en fait j'ai eu le droit de casser en fait tout ce puzzle du jeu vidéo, c'est-à-dire j'ai eu le droit de recréer des scènes à partir de tous les éléments du jeu vidéo et de recréer de toutes pièces avec des éléments qui existaient déjà, mais de dire, on va faire une rivière, et puis là, on met tel type d'arbre, mais pas telle autre arbre, on met telle lumière, etc. Tout ça, c'est possible, parce qu'en fait, ça existe déjà dans le moteur du jeu vidéo, et moi, c'était le bonheur, parce que je pouvais juste dire, ah, j'aimerais bien qu'il y ait une biche qui passe là, hop, j'avais la biche, je voudrais un mégacéros en haut de la rivière, bon, ok, j'ai un mégacéros, donc ça se passe super bien. Et l'hybridation, en fait, je ne sais pas s'il y a tant eu que ça une hybridation, parce qu'en fait, pour moi, j'ai plutôt créé une narration dédiée à un support et à un type d'expérience qui a été très clair dans la demande de Sophie, c'était d'être une femme sapiens. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Pour moi, ça voulait dire aussi faire une expérience où, en fait, je vois tout à la première personne, je peux interagir avec l'environnement dans lequel je suis et, idéalement, je peux me servir de mes mains. Parce que moi, j'avais très envie... Enfin, si on a notre corps, il faut aussi qu'on puisse manipuler l'environnement dans lequel on est. Et donc, on a imaginé des expériences qui se déroulent... Enfin, plusieurs scènes qui vont s'enchaîner à la suite. Et en fait, on voit des choses... En fait, déjà, il n'y a aucun commentaire dans l'expérience VR, parce que je n'aime pas ça. Donc, il n'y a aucun... Mais tout ce que vous faites est vrai. Tout ce que vous faites est vraisemblable et possible. Tout l'environnement est vraisemblable. Tout a été validé par Sophie Archambault aussi, c'est-à-dire même les décors. À un moment, on avait mis un renard. On ne savait plus si c'était le renard ou le lapin. On a rechangé. Enfin bon, bref. Mais c'était des détails très importants. Et en fait, à chaque fois, c'est de créer une expérience dédiée pour ce support-là. Et la principale difficulté, je dirais, qu'on a eue, c'était
un petit peu un mur technique qu'on a rencontré avec tout le système du hand tracking, c'est-à-dire de suivre les mouvements de la main de l'utilisateur ou de l'utilisatrice. Et en fait, on voulait utiliser un casque, vraiment le casque le plus accessible, et avoir une technologie sans aucune manette. Et en fait, on s'est retrouvé confronté, ça ne marchait pas. Ce n'était pas possible, on n'y arrivait pas, et on a dû réintégrer que la joueuse ou le joueur maintiendrait des manettes pour interagir avec l'environnement dans lequel il serait. C'était vraiment le principal obstacle, je trouve, qu'on a eu technique. Après, on a relevé plein de défis, parce qu'on a incarné, on est vraiment, quand on se regarde, on voit le corps de Lady Sapiens, on voit son reflet dans la rivière, on marche, etc. Enfin, il y a plein de choses que les équipes d'Ubi ont super réussi, mais c'est vrai que l'end tracking, on est arrivé à un endroit où on voulait pousser trop loin les capacités du casque et ça ne passait plus. D'accord. Très bien. Alors, France Télévisions, c'est un partenaire de premier plan, hein, Sophie Parot l'a dit, Déborah Papernick également. L'innovation, c'est quelque chose qui est devenu ou qui est depuis de nombreuses années déjà un axe important dans la stratégie du groupe et plus particulièrement sur Lady Sapiens. Je sais que vous n'étiez pas aux prémices de ce projet-là, mais ça fait partie des productions qui vont être les plus emblématiques de cette année. Oui, tout à fait. En fait, pour Lady Sapiens, comme c'est un dispositif global avec plusieurs types de contenus, donc un documentaire, une expérience VR, une expérience 360 et des modules Lumni, c'est aussi un projet transverse au sein de France Télévisions. Donc qui dépasse le cadre de la direction de l'innovation dans laquelle se situe le Story Lab. Et donc c'est ça aussi qui est important parce que je travaille moi aussi en collaboration étroite avec Caroline Béard, qui est la conseillère de programme et qui pilote le documentaire pour France 5 pour la case grand format, et avec Nadia Bédard et Carole Pujol pour les modules Lumni. Et c'est vrai que moi, je suis très contente que Lumni soit rentrée dans la boucle, puisque la préhistoire est au programme de la 6e. Et je trouvais ça intéressant parce qu'à chaque fois, à chaque contenu, on s'est adapté au support, comme d'ailleurs l'a dit Camille, et au public. Juste une petite parenthèse, ces capsules-là, ces modules de 5 minutes, ce n'est pas des séquences de l'expérience, c'est véritablement des contenus frais. Oui, en fait, à chaque fois, à chaque contenu de l'univers Lady Sapiens, le contenu est propre à sa diffusion et à sa distribution, pardon. Et donc, même si le propos général est le même, à savoir, grâce aux nouvelles découvertes sur le en paléontologie, où on découvre qu'effectivement, sur la place de la femme dans la société sapiens, on nous a un peu menti. On ne nous a pas totalement dit les choses et qu'en fait, la femme occupait une position bien plus active et que la société sapiens était organisée probablement par âge et non pas par sexe. À partir de ce propos-là et à partir de l'univers d'un jeu vidéo qui, effectivement, comme l'a dit Déborah, propose un monde vaste, eh bien, on propose des contenus qui sont différents et qui sont écrits à chaque fois pour le support et le public en question. Donc oui, les modules de Lumni, c'est le portrait de Lady Sapiens décliné en fonction d'un des aspects. Par exemple, Lady Sapiens artisane, Lady Sapiens artiste, Lady Sapiens athlète, Lady Sapiens chasseresse, etc. Et pareil, sur l'expérience VR, c'est l'incarnation en Lady Sapiens pour justement avoir une expérience interactive. Et le 360, c'est une autre expérience où on se dit « Ok, moi, aujourd'hui, j'hérite de ça, moi, homo sapiens sapiens,
et qu'est-ce que j'en fais. Donc là, il y a un vrai regard beaucoup plus personnel, d'ailleurs, de la part de Camille sur le 360, et le documentaire qui est vraiment où on découvre toutes ces recherches sur les 10 sapiens. Donc l'innovation, en fait, elle est au cœur de chacun de ces contenus, puisque à chaque fois, notamment, on utilise les images d'un jeu vidéo, ce qui n'a jamais été fait en termes de production, en termes de création, d'écriture, et en termes de synergie entre un Little Big Story, Ubisoft et France Télévisions. Et donc, je suis effectivement très contente que les 10 sapiens soient aussi globales et aussi transverses, parce que ça nous montre que, d'abord, l'innovation, elle n'est pas juste pour le département du Story Lab, mais qu'elle est impliquée dans différents départements au sein de France Télévisions, et que même si le Story Lab a une petite existence, puisqu'en fait, c'est Annick Jakubowicz qui, à l'issue du département Nouvelles Écritures, avait créé le département Recherche Narrative début 2019 au sein de la Direction de l'Innovation et de la Prospective, et que j'ai repris le flambeau au 1er juillet. Et voilà, donc le Story Lab est très récent, très jeune, c'est important que nous montrions que France Télévisions se positionne sur ces projets innovants pour un public qui ne veut peut-être pas à l'antenne. D'accord. Encore une fois, peut-être pour illustrer un peu nos propos, on va pouvoir lancer la vidéo de l'expérience VR. Alors naturellement, c'est une vidéo. Voilà, donc comme vous pouvez le constater, là, on est sur une vidéo. On a bien vu aussi les mains, Camille. Hein, vous évoquiez les problèmes, on va dire, ou les challenges autour du hand tracking. Bon, là, on a bien vu les mains. Cette expérience VR, elle est indiquée en 6 DOF. Peut-être qu'on peut expliquer ce que c'est que le 6 DOF. Je l'explique régulièrement, mais je pense que, Camille, vous pouvez peut-être donner plus de détails sur ce que ça veut dire, une expérience en 6DOF. En fait, c'est une expérience dans laquelle vous pouvez vous déplacer physiquement. Donc nous, on a imaginé une scène de 3 mètres par 3 mètres dans l'espace réel, physique, et en fait, dans l'espace virtuel, vous disposez du même espace et vous accroupissez tout. C'est comme dans le vrai monde, en fait. C'est quand on s'accroupit, tout s'accroupit. Quand vous allez vous regarder dans la rivière, vous voyez votre reflet. Et vous pouvez marcher. D'ailleurs, on vous invite à suivre les 10 sapiens qui vous parlent. Vous pouvez vous saluer, vous parlez avec elles, vous interagissez avec elles. Donc, c'est tout ça concrètement ce que ça veut dire le 6 DOF. D'accord. Et DOF, c'est pour degré de liberté en anglais. Ouais. D'accord. Justement, alors vous évoquiez le fait qu'il y ait une narration, des interactions, vous pouvez peindre sur le mur. Je dirais grossièrement,
donc vous m'excuserez par avance, l'écriture d'une œuvre conçue nativement pour la télévision, c'est un arc narratif avec un début, un milieu, une fin qui est ouverte ou qui est fermée. Quand on est dans un monde en réalité virtuelle, il y a une histoire quand même qui se raconte, et donc il faut à la fois peut-être guider l'utilisateur et en même temps ne pas qu'il ne se sente pas trop contraint. Là, il y a une gradation qui est assez fine à opérer, parce qu'on risque de perdre l'utilisateur s'il n'y a pas suffisamment de signaux qui indiquent qu'il doit se rendre vers tel endroit ou avoir telle interaction. Donc, à ce moment-là, comment on travaille ? On joue, on pousse le curseur dans un sens, on le remet dans l'autre sens. Comment exactement on opère ? Déjà, je pense que même si on est sur une œuvre interactive, il y a une grande dimension linéaire, c'est-à-dire qu'il faut créer une dramaturgie avec un début, une fin, à l'intérieur de laquelle le joueur ou la joueuse peut avoir des espèces de liberté, mais en réalité, il suit quand même un chemin qu'on lui donne. Pour lui donner un chemin, en fait, j'avais plein de principes posés. C'est déjà, il faut qu'un enfant puisse, un enfant à partir de 13 ans puisse faire l'expérience. Il faut que tout le monde comprenne. Il faut que ce soit accessible. Donc, il faut qu'on soit extrêmement simple et en étant très didactique, sans jamais tomber dans le tutoriel. Je supporte pas des moments dans une expérience interactive où on dit « vas-y, attrape ça, voilà, c'est bien. Allez, maintenant, vas-y, fais ça, attrape ça, c'est bien. » Je supporte pas ça. Donc, en fait, il faut que... On a imaginé... Je me suis dit « il nous faut quelqu'un qui nous accompagne pendant toute la découverte de ce monde paléolithique. » C'est comme ça qu'est venu le personnage de la femme sapiens. C'est-à-dire, c'est vraiment un principe... C'est là où peut-être ça s'hybride avec des écritures du jeu vidéo, où on a toujours un personnage non-joueur... Enfin, c'est pas toujours, pardon, mais on a régulièrement un personnage non-joueur avec nous, mais qui, en fait, nous dit « Vas-y, fais ça. Ah, mais pourquoi t'as pas essayé de sauter ?» ou des choses comme ça. Donc là, on a gardé ce système-là de quelqu'un qui, en fait, en face de nous, est toujours en train de faire ce qu'on va ensuite devoir faire. Sans jamais dire « Ah, comme je le fais, tu le fais ». C'est plutôt dans une logique de communication. C'est-à-dire que Lady Sapiens, c'est d'aller à la rencontre de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Alors moi déjà, en tant que femme sapiens, d'aujourd'hui, en 2021, déjà je ne savais même pas comment c'était les femmes il y a 38 000 ans. Donc déjà, c'était une découverte. Donc on peut partir de ce postulat que tout le monde ignore en fait comment ça se passait pour les femmes au paléolithique, étant donné qu'on ne nous l'a jamais montré. Donc là, le truc le plus simple, c'est tu vas aller à la rencontre de quelqu'un et cette personne va faire comme si tu débarquais dans son clan et elle va te raconter comment il faut faire les choses. Donc elle va te montrer comment te soigner la main et donc elle fait le geste, c'est-à-dire elle fait devant toi quelque chose comme ça et puis elle te regarde ta main qui est blessée et elle te parle. Parce qu'en plus, on utilise ça, elle parle, parce que c'est ça qui est génial avec Ubisoft, c'est-à-dire ils créent un monde, mais en plus, quand ils créent un monde, ils vont aussi créer les langues. Ils ont même, enfin, dans le jeu vidéo Far Cry, Primal, il y a 3 langues créées qui sont inventées de toutes pièces, mais qui sont totalement réalistes. Et donc, Lady Sapiens vous parle. La chasseresse vous parle et puis elle vous dit des trucs dont forcément tu comprends rien parce que tu parles pas sa langue. Et comme quand on est dans un pays où on comprend pas ce que nous disent les autres, on utilise nos mains. Donc en fait, elle va nous parler tout le temps avec les mains. Mmh. Et petit à petit, les interactivités se complexifient. Mais ça, c'est un jeu, c'est une règle d'écriture dans l'interactif. C'est-à-dire la première interaction doit être la plus simple, la plus accessible et en même temps un petit peu excitante. C'est-à-dire qu'il faut qu'elle révèle quelque chose. Donc là, vous allez comprendre qu'en fait, vous pouvez discuter avec la chasseresse qui est en face de vous. Et petit à petit, on complexifie les interactivités. On va y mettre des phases plus ludiques, de peindre, etc. Et après, bien sûr, on va jusqu'à la chasse. Mais toutes ces interactions, moi, ce qui m'intéressait, c'était en fait de faire des gestes du quotidien à tous les gens qui allaient faire l'expérience. C'est-à-dire, je voulais qu'on sorte de l'image que les femmes sapiens ne faisaient pas leur lance. Par exemple, pendant très longtemps, on a raconté que la création dans les grottes, dans les cavernes, c'était uniquement les hommes qui le faisaient. Je ne sais pas pourquoi, mais en fait, ce n'est pas vrai. Donc, il y avait les femmes aussi. Donc là, tout simplement, vous allez dessiner. Et voilà, et tout ça, après, ça se construit. Et bien évidemment, une fois qu'on a écrit tout ça, qu'on l'a conceptualisé, qu'on l'a monter, etc., faut faire des tests. Donc là, on confronte aux utilisateurs. Alors, nous, on teste énormément pendant tout le temps du développement, etc., mais il y a un moment où on le connaît trop et en fait, on ne sait plus tester notre propre expérience. Et donc là, on la confronte à un public extérieur. Et là encore, on apprend et on dit « Ok, ça ne marche pas. Ça, on doit changer. » Ça, voilà.
Mais c'est quand on est arrivé déjà à un certain stade de développement. D'accord. Alors, je voudrais parler un petit peu, enfin, en tout cas, plutôt qu'Alexandre parle, parce que moi, ce n'est pas très intéressant ce que je dis, mais la question de la distribution, je le disais en préambule, est quelque chose de majeur, de façon générale, mais peut-être encore plus prégnant pour tout ce qui est œuvres immersives. Vous allez peut-être nous expliquer, et notamment pour celles et ceux qui sont devant leur écran, ce que ça recouvre, le principe de la distribution. Mais lors d'une précédente conférence que j'ai organisée, on me disait, mais en fait, l'œuvre immersive, elle doit être, la distribution doit être déjà partie prenante dès la phase d'écriture, notamment pour peut-être se dire, mais là, je vais toucher un public qui est plus large si on change quelque peu l'angle. Et donc, si je touche un public plus large, je vais pouvoir avoir de plus amples revenus, parce que c'est pas dégoûtant de dire qu'en fait, il faut des revenus pour pouvoir financer d'autres projets. Alors, Lucid Realities, pionnier de la production de réalité virtuelle et un des premiers aussi à avoir cette double casquette de distributeur. Alors, j'ai envie de dire, d'un point de vue global, qu'est-ce que c'est que la distribution ? Qu'est-ce que c'est la distribution chez Lucid ? Est-ce qu'il y a cette implication sur des projets ? Alors, ça peut être les 10 Sapiens VR, mais peut-être sur d'autres plus globalement, dès la phase d'écriture, pour dire, il y a un potentiel qui peut être révélé de façon plus intense, si. Totalement. Alors, je ne vais peut-être pas définir ce qu'est la distribution en général de la réalité virtuelle, parce que je pense qu'il y a plusieurs distributions. Mais je vais déjà donner notre définition au sein de Lucid Realities. En fait, Lucid Realities, comme vous l'avez mentionné, est une société de production à la base. Mais Chloé Jarry, qui est la fondatrice, a travaillé sur un important projet de réalité virtuelle il y a de cela près de 7 ans, qui a été coproduit par France Télévisions aussi, déjà, et qui s'intitulait The Enemy, qui a été un des premiers projets en réalité virtuelle narratif, et qui a été distribué dans le monde entier, dans près de 5 pays. Et de ce premier projet est né beaucoup de problématiques en termes de distribution, parce que c'était une expérience qui se vivait avec des backpacks, et qui nécessitait des énormes sacs à dos. Énormes sacs à dos. Je me souviens des premières années à Sunnyside of the Dock où il y en avait un seul. C'est vrai qu'il fallait prendre du temps pour l'installer et le désinstaller. Ouais. Exactement. Il y avait 800 kilos de matériel à envoyer pour chaque envoi, pour chaque nouveau lieu qui accueillait l'exposition. Donc voilà. En un projet, en fait, je pense qu'on a parcouru un éventail de problématiques et de problèmes techniques énormes. Et Chloé, en fait, au moment où elle a créé Lucid Realities il y a de cela 4 ans, toujours au sein du groupe dans lequel elle travaillait, elle a souhaité tout de suite créer le département distribution, parce que nous, ce qui nous semble important et ce qui sont un peu nos deux principales valeurs chez Lucid Realities, déjà, c'est de porter le regard d'un auteur. Et là, on est parti, on est allé chercher Camille pour nous rejoindre dans l'aventure, ce qui nous semblait indispensable, au même titre qu'un documentaire. Et le deuxième principe, la deuxième valeur importante, c'est trouver le public. Parce que nous, on pense toujours les programmes, on pense toujours que les programmes doivent être montrés au public. Aujourd'hui, il s'avère que le taux d'équipement du grand public est en casque VR est assez faible. Et donc, nous, notre principal axe de distribution et stratégique est la distribution LBE, comme vous l'avez mentionné au début, donc la distribution sur des lieux de culture, principalement. Ces lieux de culture avec qui nous travaillons sont, pour certains, interviennent en tant que coproducteurs de certaines de nos expériences. Ici, Sophie avait approché le Paléocyte, donc le lieu de diffusion était déjà acquis dès la phase de développement le premier lieu de diffusion dès la phase de développement du projet VR. Mais nous aussi, chez Lucid Realities, on cherche toujours à impliquer les lieux de diffusion dès la phase de développement, parce que déjà, d'une part, ils peuvent, dans certains cas, nous aider, éditorialement parlant, en tant que conseil scientifique, quand on travaille avec des musées d'histoire naturelle, par exemple, ou des musées de fine art, c'est exactement pareil. Mais aussi, ils vont pouvoir nous donner des clés de compréhension de ce qu'est leur problématique en termes de trafic, de public, d'accueil du public, les problématiques techniques aussi, les services qui sont impliqués dans le management d'un espace vert, parce qu'un espace vert, en fait, implique plusieurs services au sein même d'une même institution, les services techniques, les services des publics, les services de médiation, les programmateurs.
Donc tout cet écosystème, nous, chez Lucid Realities, on l'a travaillé depuis de nombreuses années. Et Sophie est venue nous voir à la fois pour bénéficier de cette expérience-là en tant que producteur, parce qu'on est producteur exécutif de l'expérience VR, mais aussi en tant que distributeur, parce qu'on accompagne Sophie dans l'implantation du dispositif au Paléocyte. Mais aussi, on réfléchit avec elle à créer des packages, des formats d'exportation qui pourraient inclure à la fois l'expérience VR, mais aussi des modules plus linéaires, des extraits du documentaire, des extraits d'interview. On a parlé des modules pédagogiques tout à l'heure, mais on essaye de voir comment on peut distribuer ce type d'expérience immersive au sein de lieux de culture, tout en offrant un espèce d'éventail de solutions qui pourrait aussi combiner plusieurs médiums, donc à la fois l'expérience interactive et immersive Lady Sapiens VR, mais aussi avec des contenus plus classiques comme des cartels explicatifs, des extraits, etc. D'accord. Alors, justement, quand on prépare... Pardon, Stéphane, bien sûr, Jeanne. Si je peux juste rebondir sur ce que dit Alexandre. Effectivement, la question principale de tous ces... Alors là, j'étends au projet immersif, interactif, de manière générale, c'est d'aller toucher le public. Et ce qui n'est pas forcément évident, puisque les casques, ce n'est pas encore dans les us et coutumes, même si ça augmente de manière importante. Et que ça, cette question-là d'aller toucher le public et comment on le touche est primordiale. Et c'est aussi une question que moi, je pose en développement des projets pour savoir comment on fait pour aller toucher ce public et l'interpeller sur ces contenus-là. Ça, c'est vraiment essentiel d'y penser dès le départ. D'accord. Et de notre côté, c'était important d'avoir Lucid en coprod sur la VR, de les avoir avec nous, puisqu'en fait, le distributeur qui connaît les lieux et les contraintes des lieux a obligatoirement un regard, un feedback très intéressant sur le développement. Et le travail avec Camille, donc elle est à l'origine de l'écriture, on a commencé à développer, on a regardé ce qu'on pouvait prendre comme... Alors là, on ne filme pas à l'intérieur du jeu quand on développe en VR, on va chercher une rivière, on va chercher un animal, on va chercher différents objets graphiques qui ont été faits pour le jeu, on les isole du jeu Far Cry original et on vient les mettre dans un moteur en VR. Donc le développement, les images qu'on a dans le documentaire sont des images filmées à l'intérieur du monde qui existe, dans lequel on fait jouer les personnages qu'on veut. La VR, c'est différent, on reprend et on recrée à partir de ces éléments graphiques, on recrée le monde qu'on veut. Si on dit que la rivière est là et la falaise est là, ben on les met où on veut. On peut même décider d'agrandir la taille des animaux. Par exemple, à un moment, on s'est dit, le mammouth, il n'est pas assez grand. On l'a fait grandir, et puis quand Sophie a vu le ATSG, elle a dit, oh là là, le mammouth, il est un peu grand. Parce qu'elle, elle sait que c'était pas bon. Voilà. Donc, je voulais juste planter. Donc, il y a aussi tout cet aspect de flexibilité, et c'était très important de tester tout au long du développement. Et ça, c'est ce qu'on fait sur tous nos jeux, sur toutes nos expériences VR aussi. C'est tester tout au long du développement pour être sûr que ça correspond bien au public qu'on veut toucher et prendre en compte les aspects de diffusion aussi. Sophie, un mot à ajouter ? Sophie Parot, pardon. Déjà, sur la collaboration, oui, je pense qu'effectivement, l'idée, c'est que vraiment, sur chacun des aspects de ces productions, c'est à la fois, je crois que vous l'avez tous déjà bien exposé, mais ce sont des univers distincts, et éditorialement et en termes de montage de production. Hein, le film a son existence propre. C'est une coproduction avec le Canada. Il y a un certain nombre de partenaires à l'étranger, outre France Télévisions, comme la NHK, comme PBS aux États-Unis, qui viennent en soutien du film. Et Thomas, Jacques et Eric ont vraiment créé le film comme un écosystème à part. Je crois que je ne vais pas revenir sur la manière dont Thomas a travaillé. Déborah a été très, très précise là-dessus. Mais c'est vraiment de la dentelle à l'intérieur du jeu. Et je crois même que, même chez Ubisoft, je crois, je ne sais pas si je peux le dire, Déborah, mais il me semble qu'on était tous, en tout cas, assez scotchés de voir ce qu'on pouvait sortir d'un jeu vidéo
qui semblait un univers figé. Ce n'est pas du tout figé, c'est vraiment un terrain de jeu formidable. Et puis, un autre écosystème qui est celui de la VR, que Camille s'est approprié et qui a su aussi travailler en collaboration très étroite avec les équipes d'Ubisoft, ce qui n'était pas forcément quelque chose d'évident au départ, puisque je crois que et Camille, qui est une autrice très engagée et réalisatrice autonome et habituée à travailler avec ses propres équipes qu'elle choisit, et Ubisoft est habituée à travailler aussi en écosystème de son côté, et il a fallu donc apprendre à se connaître et apprendre à travailler ensemble, et ça c'est ça a été une étape nécessaire, mais qui a donné lieu après à une collaboration très riche et très agréable. Voilà, c'est à chaque fois un écosystème distinct. Lumni, c'est encore autre chose, effectivement, avec une autre écriture. À chaque fois, ce sont des points de vue différents et c'est aussi des montages de production différents. Et puis, peut-être un mot sur le Paléocyte, effectivement, puisque en fait, le Paléocyte, c'est un musée de la préhistoire en Charente-Maritime. Et donc, c'est le département de la Charente-Maritime qui est le commanditaire, on va dire, des éléments complémentaires pour le Paléocyte. Et il se trouve, peut-être qu'on peut ajouter un mot, on peut raconter une expérience de plus. Tu voulais parler de... Mais je t'en prie, vas-y. Le premier confinement a eu peut-être de ceci de vertueux, qu'on était tous bloqués en fait. Les Lady Sapiens auraient dû partir en tournage le 11 mars 2020. Vous imaginez où on était tous dans nos canapés déprimés et on se demandait bien ce qu'on allait devenir et dans quel calendrier on allait pouvoir travailler. Et puis quelqu'un au département de la Charente-Maritime a eu une idée géniale qui était de dire mais puisque on peut pas avoir de film là, on va être en retard et puis on a besoin de renouveler notre contenu. Ils avaient eux aussi un peu fait leur devoir et probablement joué à Far Cry et ils se sont dit pourquoi ne pas imaginer un film dédié au bestiaire fantastique qui existe dans Far Cry et qui est donc peuplé non seulement de mégacéros et de mammouths, mais aussi de tigres. Alors il y a un tigre à dents de sable, je crois, il y a un lion, on a un ours des cavernes, enfin on a plein d'animaux extraordinaires. Et imaginez une histoire à partir autour de ces animaux. Et Thomas Sirotto a donc passé une grande partie de mars 2020 à jouer encore plus Far Cry pour isoler des séquences et imaginer un scénario autour de ça, qu'il a construit ensuite dans les équipes avec Nathanaël chez Ubisoft pour aboutir à un 12 minutes. Alors, je ne sais pas si on a le temps de montrer un petit extrait, mais c'est vraiment un film à part. Ce n'est pas tout à fait l'écosystème Lady Sapiens, mais ce n'est pas loin. Et c'est un film qui raconte donc l'aventure d'une jeune néandertalienne qui part en quête d'une plante pour sauver son enfant et qui, en chemin, fait des rencontres assez effrayantes, en fait, avec tous ces animaux. Mais voilà, ça finit bien. Je ne sais pas si on peut révéler la fin. Non, on ne révèle pas la fin, on ne montre pas d'image et on se dépêche de prendre son ticket de réservation pour le Paléocyte. Ça s'appelle, voilà. Ça s'appelle comment, ce film, ce 12 minutes ? Ça s'appelle Pierrette en terre animale et c'est visible exclusivement au Paléocyte de Saint-Césaire. D'accord, ok. Donc ça, c'est encore quelque chose de différent dans l'écosystème. J'avais justement, en fait, il y a quelques années, ceux qui travaillaient déjà dans le secteur, on parlait de transmédia. Il y a longtemps, c'était au siècle presque dernier, on disait, ah là là, c'est du transmédia, France Télévisions en faisait partie, de ses principaux acteurs et artisans. Et puis, force est de constater que le terme a perdu de son prestige, de sa pertinence. Là, depuis presque une heure, on parle d'écosystème. Est-ce qu'on pourrait se dire que le côté transmédia, c'est encore pertinent ou est-ce que c'est totalement différent ? Parce que vous évoquez des univers qui sont cohérents, mais qui ne se répondent pas spécialement. C'est-à-dire que, en fait, on peut voir l'un ou l'autre, voire la moitié de ces contenus-là, sans pour autant perdre l'intérêt de l'histoire. Alors, je ne sais pas, peut-être Sophie, et puis ensuite Jeanne Marchalot.
Oui, après, c'est une question de terme. Ça peut s'appeler transmédia, écosystème ou projet global. On l'appelle un peu comme on veut, en fonction de son époque ou de là où on parle. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, on part d'un socle commun. Nous, l'objectif de Lady Sapiens, c'est de casser les clichés. C'est-à-dire, la femme dans la préhistoire a été, depuis l'invention de la préhistoire, on va dire, au milieu du 19e siècle, qui était une science portée par des hommes blancs qui analysaient des restes à partir de leur... De là où ils étaient aussi dans leur société, c'est-à-dire une tombe avec une sépulture très ornée était une tombe de quelqu'un de pouvoir, donc forcément une tombe masculine. Et la science leur a donné tort 100 ans plus tard avec des analyses ADN. On prouve à 100% que cette tombe-là était occupée par une femme. Donc ça, c'est le cœur du propos. Mais de ce propos-là, on peut décliner moult formes, et c'est ce qu'on a fait, je crois, avec une manière différente à chaque fois de raconter cette histoire, que ce soit en vous faisant expérimenter en devenant Lady Sapiens, comme le propose Camille dans l'expérience en VR, que ce soit en racontant très précisément l'histoire scientifique de comment on est arrivé à brosser un portrait plus juste, on croit aujourd'hui, de la femme du paléolithique avec le film réalisé par Thomas, que ce soit en 360, en se posant à nouveau dans la peau d'une femme d'aujourd'hui, ou en s'adressant à un public lycéen en présentant toutes les facettes, tous les savoir-faire de la femme de la préhistoire qu'on avait. Voilà, donc je crois que le propos global est le même, et ensuite on prend des portes différentes et des chemins différents pour raconter cette histoire. Jeanne ? Oui, c'est sûr que le mot transmédia est un peu obsolète aujourd'hui. Il a été très très à la mode dans les années, début des années 2000, quand on s'est aperçu qu'on pouvait faire des webdocs et des webséries, et qu'on pouvait en fait décliner une histoire sur plusieurs médias, mais en la continuant. Là, en fait, on ne décline pas une histoire, on décline un univers. Et c'est un peu différent, puisqu'on décline l'univers, mais on raconte des histoires. Et différentes, avec des propos différents, mais en créant des passerelles entre ces histoires. Mmh. Et ce que nous souhaitons, c'est que le public de France 5 va aller faire l'expérience VR, et que le public qui va faire l'expérience VR aille sur le documentaire de France 5, et puis aille aussi sur les modules Lumni, puisqu'il faut dire qu'aussi grâce au confinement 1, Lumni a acquis une très très grande visibilité auprès des enseignants, des parents. C'est bien la première fois que j'entends dans la même phrase « grâce à » et mais c'est bien. Il faut voir le côté positif. Bah, y en a au moins deux. Hein. Sophie a parlé de Pierrette en terre animale, qui est née grâce au confinement 1. Donc la position de Lumni a été aussi importante grâce au confinement 1. Voilà. Donc je pense que le mot transmédia, en plus, il est un peu daté. Mmh. Il est un peu... donc autant parler effectivement d'un dispositif global, d'autant plus que en fait là on crée un univers et on tire des narrations de cet univers, mais c'est différents départements à France Télévisions, donc même en termes de production c'est différents budgets, mm-hmm. c'est différents interlocuteurs, et même si nous travaillons tous en transverse, finalement à chaque fois c'est des cases différentes qu'il faut solliciter. Mais ça n'empêche que, au moins, aujourd'hui, l'univers de Lady Sapiens existe. On peut même parler d'une marque, Lady Sapiens, et que ça peut donner des idées en termes de création et de synergie pour la suite. D'accord. Oui, je voudrais juste rebondir en fait sur... Sophie, tout à l'heure, a bien présenté tout le cheminement. Mmh. Ça part finalement, Homo sapiens, Lady Sapiens, le docu, puis petit à petit d'autres choses. Et en fait, il n'y a pas eu une réflexion à un moment en disant, voilà, on va faire un super plan d'un truc global avec un docu de 90 minutes et le 45 minutes, et puis on va faire aussi un 12 minutes pour le paléocyte. On va faire une expérience VR et puis une expérience 360. On va faire du Lumni, on va faire un livre... On fait tout ça et ça fait un écosystème. On va trouver un joli nom
et puis la marque, ça va s'appeler Lady Sapiens, et puis ça va rouler, ça va être super. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Il y a d'abord le documentaire, et après c'est parce que c'était Sophie, parce que c'était Jeanne, parce que c'était Chloé, parce que c'était... C'est des personnes qui se sont rencontrées, c'est Camille, et c'est des gens qui se font confiance, et quand il y en a un qui amène une idée, ben l'autre il dit « Ah ouais, tiens, pourquoi pas, allons-y, on essaye ». Et tout ça s'est construit petit à petit, et tout est très cohérent. Et il y aurait pu aussi avoir des idées qu'on abandonne. Là, il se trouve que les choses se sont cumulées, se sont très bien complétées, et c'est pour ça qu'on arrive à tout un écosystème qui est valable, et qui pourrait être aussi présenté, peut-être que finalement... on aura une exposition à un endroit où on aura des morceaux de chaque. Donc ça peut être vécu chacun différemment, ça peut être vécu tout ensemble, tout ça pour des publics différents et pour des lieux différents, à la fois à la maison et à l'extérieur. Alors, transition. Bien sûr, Sophie. Oui, non, je voulais juste dire aussi, je pense que tout ça, c'est aussi lié à la force du sujet, puisqu'on est sur un sujet qui, en fait, n'avait jamais été traité. On n'a jamais parlé de la femme dans la préhistoire, à part imaginer des choses qui sont, aujourd'hui, on le sait, complètement loufoques. Donc, on a aussi un terrain de jeu très, très ouvert et très, très libre grâce à ce propos, en fait, qui ne demande qu'à être exploré, fouillé, creusé sous divers axes, puisqu'il est vierge, en fait. Voilà. Et alors justement, Moi aussi, je voulais dire un truc. Bien sûr, Camille, il n'y a pas de problème. C'est pas facile, tu sais, de prendre la parole à distance. Mais je ne te vois pas bien, en effet. Mais vas-y, continue. Non, ce que je voulais dire par rapport à ce qui me semble aussi essentiel, c'est en fait d'avoir divisé les écritures et de ne pas demander au même auteur ou au même réalisateur de tout faire. Parce qu'il y avait un peu à un moment où, dans le mythe du transmédia, il fallait qu'une personne soit capable d'écrire un jeu vidéo, oui, un docu télé et un jeu VR, par exemple. Et en fait, c'est pas vrai. Tu peux pas faire. Enfin, moi, j'y crois pas. Et je pense que il est nécessaire de créer des silos, mais au sein du même univers et d'avoir des écritures séparées dédiées à chacun des supports, c'est essentiel aussi. D'accord. Donc une hybridation, mais pas à tout prix. Voilà. Surtout pas. Et alors, donc il y avait. Là, je peux. C'est bon. Je voulais évoquer le point que vous avez. Très rapidement soulevé, à savoir ce côté nomade, ce côté un peu, on va pouvoir peut-être faire transiter, naviguer tout ou partie de cet écosystème Lady Sapiens. Ça, c'est quelque chose qui est aussi dans les tuyaux, c'est-à-dire de vous dire, tiens, il y a un musée, je dis n'importe quoi, il y a un musée à Java, ça pourrait être, voilà, c'est la femme de Java qui souhaite avoir tout ou partie de cette exposition. Est-ce que ça, c'est quelque chose aussi qui est dans les tuyaux? Alors, totalement. On peut même parler de dupliquer, parce que l'idée, une expérience comme Lady Sapiens VR, en fait, pourrait être présentée en simultané dans plusieurs lieux. Nous, ce qu'on essaye de faire et sur quoi on réfléchit actuellement avec Sophie, c'est qu'on a identifié plusieurs thématiques dans le film qui sont traitées et qui pourraient faire écho à des collections permanentes. Parce que l'idée, quand même, c'est de créer du sens. L'expérience VR crée du sens à partir du moment où elle crée un dialogue dans un lieu de culture. C'est pour ça que voilà, les musées d'histoire naturelle seront principalement notre cœur de cible dès que le projet sera terminé, parce que c'est sûr que dans ces lieux-là, présenter une œuvre qui parle de la femme préhistorique, ça a du sens. Maintenant, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est comment enrichir cette expérience, la possibilité d'enrichir cette expérience plutôt, avec à la fois des supports plus linéaires, donc comme j'expliquais, extraits du film, mais aussi ça peut être des cartels qui pourraient être coécrits avec des conservateurs des lieux en question. Donc en fait, on essaye de sentir le marché. Aujourd'hui, le marché de l'immersif est en pleine explosion, et grâce à... grâce à la Covid, je pense qu'il le sera de plus en plus, parce qu'on a compris que d'une part, c'était des œuvres qui pouvaient se vivre en dehors des lieux. Là, je parle plutôt de la vidéo 360 qui peut aussi vivre sur téléphone mobile. C'est aussi un canal de distribution que nous, on explore beaucoup chez Lucid Reality, c'est travailler avec les opérateurs téléphoniques. Mais je pense qu'aujourd'hui, le public est en demande de ce type d'immersion, de sensation, et que de plus en plus de lieux vont vouloir
accueillir ce type d'expérience. Maintenant, il faut aussi créer du sens, et c'est pour ça que l'intérêt d'être producteur et distributeur, c'est aussi anticiper ces besoins-là et les créer et les prévoir dès le développement. D'accord. Non. Alors, concrètement, quel est le calendrier de sortie? C'est-à-dire que le documentaire, l'expérience, ce qu'on peut voir au Paléocyte, les capsules Lumni, bon, ça, c'est déjà disponible. Le livre, ce genre de choses-là? Alors non, les capsules Lumni ne sont pas encore disponibles. Elles ne sont pas disponibles? Non. Ben voilà, donc, elles vont être fabriquées très, très bientôt. Et elles seront disponibles au moment où on lancera l'opération Lady Sapiens. Donc on va se caler sur la diffusion du documentaire. A priori, c'est pour la deuxième partie de l'année. D'accord. Très bien. Et le Paléocyte a un calendrier un peu différent, puisque c'est vraiment très, très localisé à l'exploitation sur site, au musée. Donc, dès que la réouverture des musées sera autorisée, l'expérience pourra être proposée au Paléocyte, ainsi que les déclinaisons. Il y a un documentaire donc, de 12 minutes qui est adapté de Lady Sapiens, mais qui contient des séquences exclusives au Paléocyte, puisque comme c'est un site dédié à Néandertal, donc il y a la responsable des fouilles du Paléocyte, Isabelle Crèvecoeur, qui est interviewée dans ce film, qui n'est pas dans Lady Sapiens de 90 minutes. Et ce film-là donc, sera également proposé dès la réouverture du site. D'accord. Nous, à La Rochelle, on a un muséum d'histoire naturelle. On a un événement qui s'appelle Pixie Festival. Je dis ça, voilà. Avant de répondre aux éventuelles questions de nos spectateurs qui sont donc encore devant leur écran, peut-être quelques questions rapides à chacune et chacun d'entre vous. Alors, Déborah Papernick, vous parliez de monde, vous dites Ubisoft crée des mondes. Bon, très bien, donc là, on a un monde qui est celui de Far Cry. Mais il y en a plein d'autres. Alors, ça va être quoi la suite des collaborations entre Ubisoft et puis... une autre société de production, un groupe de télévision, je ne sais pas. En fait, on a pas mal de discussions, effectivement, parce qu'on a des mondes, ne serait-ce que dans Assassin's Creed. Assassin's Creed, en fait, le principe, c'est d'explorer l'histoire. Donc, on a exploré la Révolution française, on a exploré l'Égypte de Ptolémée, on a exploré la Grèce au temps des guerres du Péloponnèse, et plus récemment, les Vikings, par exemple. Mais il y en a encore, il y a une dizaine de thèmes différents. Donc rien que dans la marque Far Cry, on peut aller raconter les histoires qu'on veut. Donc ce sera peut-être avec Sophie, avec Jeanne, ce sera peut-être avec d'autres. Enfin, de toute façon, la matière et la variété est tellement riche, en fait. Et après, il faut à chaque fois, par contre, avoir un angle. Le but n'est pas de faire du transmédia ou du global sur en disant voilà, on va prendre Assassin's Creed et on fait quelque chose. Non, c'est il faut qu'il y ait un angle particulier avec un propos qu'on a envie de raconter. Là, ici, c'est celui de la femme. Ouais. Ça pourrait être autre chose une autre fois sur un autre thème. Et voilà, et qui est vraiment qui est du sens. Oui, ça, par contre, je crois que vous étiez tous les cinq unanimes là-dessus, que ce soit la VR ou le côté jeu vidéo. Il n'y avait absolument pas d'éléments de marketing ou de communication ou de « ah, ça va faire un peu sexy ». Vous partez d'une histoire, vous partez de quelque chose qui va utiliser la prise de vue réelle, qui va utiliser le jeu vidéo, qui va utiliser la technologie, car ça n'est qu'une technologie, la réalité virtuelle, mais à la base, il y a une histoire. Jeanne Marchalot, donc, le Story Lab France Télévisions, en Lady Sapiens, d'accord? Et après, ou en même temps? Sur la deuxième partie de l'année 2021, il y aura, en plus de l'expérience VR et 360 Lady Sapiens, quatre autres projets, quatre autres productions qui vont sortir. Donc, il y a une expérience VR multi-utilisateur qui s'appelle Atomu, sur la fluidité des genres. Il y a une expérience, alors là, c'est une appli en réalité augmentée avec une expérience LBE qui c'est sur la petite danseuse, adaptée de la petite danseuse de Degas pour les 6-8 ans et les parents. Il y a un documentaire
de journalisme d'investigation sur les minerais qui composent nos portables, avec le témoignage d'un homme qui a été enfant soldat et enfant mineur. Réalisé d'ailleurs par... Par Karim. Voilà, qui a donc réalisé The Enemy dont nous parlions tout à l'heure. Produit par Lucid Realities, donc Chloé Jarry, donc qui est une appli en réalité augmentée. Et il y aura une autre appli en réalité augmentée avec une expérience in situ qui s'appelle Biblioquette, qui est une invitation à la lecture pour les 8-12 ans, où en fait on entre dans l'univers d'un écrivain contemporain jeunesse au travers des lectures de son enfance. Et on commence par Timothée de Fombelle, qui vient de sortir Alma, et qui a eu le prix France Télévisions roman jeunesse pour ce roman. Et je suis en développement d'autres projets, notamment sur la thématique de l'écologie. Et je cherche d'autres projets et je me pose aussi la question de comment atteindre les publics, puisque ça c'est fondamental, surtout quand on dépend des GAFA, puisque le seul casque autonome c'est Quest, donc c'est Facebook. Idem pour les réseaux sociaux si on veut faire des projets, notamment sur Insta, et qu'on dépend des stores Google et Apple pour proposer des applis. Donc il y a plein de... Ce qui est bien, c'est que c'est très ouvert. Il y a des synergies possibles. Donc j'ai appris cet après-midi lors d'un panel au Festival d'animation de Rennes que l'Allemagne, via les Länder, commence à vouloir investir dans tous ces contenus immersifs et dans le jeu vidéo. Donc je pense qu'au niveau de l'Europe, ce serait bien aussi qu'on puisse travailler. Je suis en train de monter une réunion des médias publics francophones avec Arte, l'ONF et la RTBF et France Télévisions. Il y a plein de dossiers et de sujets en cours. Et ce qui est formidable, c'est que le champ des possibles est ouvert et que, comme disait Déborah tout à l'heure, c'est vrai que sur les 10 sapiens, c'est une idée qui en a amené une autre, les rencontres. Ces synergies aussi entre personnes enthousiastes, c'est forcément riche. Et cette richesse déteint de manière très positive sur les projets. Bien. Alexandre, Lucid Realities. Chez Lucid Realities. Quel territoire allez-vous adresser là encore ? Alors, en termes de distribution, on attend que les lieux de culture réouvrent. Avant tout, on a bien vendu nos films 360 dans beaucoup de télécoms internationales. Mais voilà, nous, on attend vraiment que les lieux de culture réouvrent. En termes de production, on travaille sur entre 10 et 15 projets actuellement en développement et en production qui utilisent des médiums totalement différents. Ça peut aller de la réalité augmentée, réalité virtuelle. Tous ont le même point commun, c'est qu'on parle de technologie immersive. On réfléchit même à des projets, on développe même des projets d'exposition qui peuvent agréger plusieurs médiums différents, notamment les expositions immersives qui ont le vent en poupe en ce moment. Mais à l'international, nous on travaille beaucoup avec l'Asie. C'est des territoires qui ont réouvert plus rapidement que d'autres leurs lieux de culture. On espère une reprise assez rapide. Et puis, on va mettre les bouchées doubles dès que les 10 sapiens sera terminé pour diffuser l'expérience le plus largement possible, à la fois en France, parce qu'il y a énormément de lieux de culture en France. Et on voudrait aussi s'intéresser à tous ces petits musées en province. Je l'expliquais tout à l'heure avant la conférence, mais tous ces petits musées en province qui ont de formidables collections et qui sont peu approchés par des distributeurs et producteurs. Donc on veut aussi toucher ces lieux-là et bien sûr aller à l'international parce que la préhistoire est un sujet universel. Et donc tous les champs des possibles sont ouverts. D'accord. Même question à Camille. Donc, on quitte la préhistoire. On va dans quel secteur là ? C'est quoi le prochain projet en écriture ? Alors peut-être plutôt le prochain projet qui va sortir, parce que j'ai eu la chance de produire plusieurs choses et donc j'ai écrit et réalisé une fiction qui s'appelle Patience, mon amour,
qui sort le 12 juillet, et c'est une coproduction avec Arte et Bachy Bouzouk. C'est l'histoire d'Alice et Gabriel qui décident d'avoir un enfant, mais on est en France, donc c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être qu'à la préhistoire, il y avait des PMA, je ne sais pas, peut-être. Hein, je ne sais pas quels étaient les modèles parentaux, mais peut-être c'était plus ouvert. Je me rapproche aussi beaucoup du spectacle vivant, où je travaille avec une metteuse en scène, Caroline Melon, et on est en train d'écrire un spectacle qui est en création, enfin qui sera en création en mars 2022, qui s'appelle « Quand ça commence ». C'est autour des histoires d'amour, et on réfléchit, notre personnage en fait se cherche à comprendre quand est-ce qu'on tombe amoureuse pour ne plus jamais tomber amoureuse. Et après, bien évidemment, il y a des projets en écriture et j'ai aussi un autre projet en VR à jouer avec les mains aussi, donc un jeu avec les mains, mais là, c'est autour de l'éducation sexuelle. Donc, ce sera assez explicite. Je ne vois pas trop. Très bien. Et donc, Sophie Parot, quels sont vos projets juste avant qu'on passe la parole peut-être aux questions? Oui, on me dit qu'il y en a. D'accord. Bon, très rapidement, là, je suis en train de terminer un documentaire qui s'appelle « La femme sans nom, histoire de Jeanne et Baudelaire », qui est réalisé par Régine Abadia pour France Télévisions Passage des Arts. Et on développe également un programme en réalité augmentée à partir de modules qu'on a créés pour le film. On voudrait mettre... Donc c'est l'histoire de la maîtresse de Baudelaire, Jeanne Duval, dont on ne connaît même pas le nom, sans doute parce que c'était une femme noire au 19e siècle, comédienne, donc c'était très très mal vu, elle avait beaucoup beaucoup de défauts, cette pauvre Jeanne. Et donc elle a été effacée d'un tableau de Courbet qui se trouve au musée d'Orsay et dont le repentir apparaît au fil du temps, on voit sa silhouette renaître derrière les couches de peinture. Et donc le film raconte, le film s'adresse à Jeanne et essaie de percer le mystère de son effacement. Et l'expérience en réalité augmentée propose au contraire de donner la parole à Jeanne. Et c'est elle qui s'adresse à nous et qui va nous proposer une promenade dans la poésie de Baudelaire. Donc c'est un nouvel axe en développement. Et puis on a d'autres projets aussi, bien sûr, en préparation et notamment en réflexion transverse, puisque c'est vrai que maintenant, après cette expérience de Lady Sapiens, on a tendance à quand même se poser d'emblée la question sur un projet si il n'y a pas une autre manière de raconter cette histoire qu'un documentaire linéaire qui est là d'où je viens, c'est ce que je sais faire, mais ça m'amuse beaucoup d'imaginer d'autres façons de raconter les mêmes histoires et d'autres points de vue, et en général, c'est très enrichissant. Donc, c'est vrai que systématiquement, sur les projets, je me pose cette question maintenant, ce qui n'était pas le cas avant. Voilà, très bien. C'est une très bonne pré-conclusion. Alors, donc, il y a des questions donc, qui sont tombées. Est-ce que... Allez-y. Oui, on a deux questions, notamment une première qui va plutôt être sur les stratégies de financement, on va dire. Je vais la poser telle quelle. Bonjour, nous essayons de développer un projet vert de film animalier, mais il nous semble qu'il est dur de trouver des aides sans mettre de l'interactivité au centre de l'expérience. Est-ce indispensable ? Donc, j'imagine plutôt une question peut-être pour les producteurs, productrices qui sont un peu rodés sur ce qui est demande de financement. Voilà, Sophie, Jeanne peut-être, et puis Sophie ensuite. C'est sûr que quand on me propose un contenu immersif, l'interactivité est au centre du processus, puisque la différence entre le cinéma et la série des contenus immersifs, c'est que l'utilisateur est au cœur de l'expérience. Et il peut même être le maître de la narration, notamment avec le hand tracking, ce dont parlait Camille précédemment. Donc après, j'aurais du mal à donner une réponse précise, si ce n'est qu'effectivement, mettre l'utilisateur uniquement dans la place de spectateur sur ces expériences-là, on se dit alors pourquoi ne pas faire un contenu linéaire classique. Il faut
si c'est un documentaire animalier, pourquoi le faire, par exemple, en 360 ? Qu'est-ce que ça apporte ? Qu'est-ce que ça change au concept ? Qu'est-ce qui est innovant ? Voilà, se poser toutes ces questions-là en amont. Plein d'éléments de réponse. Sophie, oui ? Oui, il me semble, je ne me souviens plus du titre exact, mais il y a un film sur les requins en 360 VR qui a existé il y a quelques années. Après, c'est vrai que je pense que Jeanne a répondu pour les diffuseurs, je pense qu'aussi dans les commissions, on cherche toujours quelque chose d'un peu innovant, des formes de narration qui se cherchent, qui cherchent à proposer des nouveaux contenus, qui jouent avec la technique. Donc, probablement... J'imagine que les lecteurs dans les commissions ont envie d'être un peu surpris et de chercher des formes nouvelles. Peut-être que c'est ça qui pêche, mais c'est difficile de parler de répondre à cette question sans connaître le projet, en fait. Bah oui. Alors Déborah, qui fait partie de la commission CNC. Oui. Effectivement, pour moi, si l'interaction, c'est avoir une manette et faire quelque chose avec ses mains, alors non, pour moi, l'interaction n'est pas obligatoire. Elle peut se passer par d'autres choses. Elle peut se passer par le regard, elle peut se passer par le déplacement quand on a les 6 degrés de liberté, par exemple. Ce qui est important, c'est de savoir ce que va apporter la VR. C'est ce que disait Jeanne. Si la même expérience peut être vue sur un écran classique, alors ça n'a rien de faire de la VR. Si la VR apporte vraiment quelque chose, alors oui, mais il faut que ce soit plus que juste le fait de dire je tourne la tête et donc la scène continue. Il faut qu'il y ait un quelque chose qui justifie le média que vous allez utiliser. Oui. Après comme le dit Déborah, je pense qu'il y a plusieurs, il y a différentes interactivités. Il y a des expériences, Lady Sapiens se vit avec des manettes. Nous, on a produit des expériences qui ont été très bien financées sans manettes, notamment une sur Claude Monet où l'interactivité se passait entre autres par le regard. Je pense que il faut pas se cacher, la principale source de développement, enfin en tout cas nous, ce qui nous aide à amorcer un projet en tant que producteur, c'est les aides publiques. Les aides du CNC vont nous permettre de produire un prototype et du coup, après ce prototype, on va pouvoir démarcher d'autres partenaires qui vont s'agréger et qui vont compléter notre plan de financement. C'est comme ça que ça marche, mais par contre, pour débloquer cette première étape qui est le budget de développement, il faut soumettre un dossier au CNC et ce dossier au CNC sera étudié à partir du moment où en fait le propos est porté par un auteur. Et c'est pour ça que l'auteur ou l'autrice, en l'occurrence dans Lady Sapiens, c'est au cœur du processus est nécessaire, c'est-à-dire que mettre une caméra 360 dans la savane et filmer des lions, ça ne sera jamais aidé par le CNC. Parce que je ne vois pas, ou alors il faudrait une méthode de shooting hyper novatrice et qui ait du sens, qui ait une propre narration pour que ça soit aidé. Donc moi je pense que la première étape c'est déjà trouver l'auteur ou l'autrice, l'autrice et l'auteur plutôt, et essayer de travailler avec cette personne-là pour raconter une histoire, et enfin en tout cas débuter une histoire sur papier pour que le CNC ou d'autres partenaires vous aident à amorcer cette étape qui va vous permettre d'aller au prototype et aller plus loin ensuite. D'accord. Oui, j'ai oublié tout à l'heure, mais j'aurais pu ajouter dans la checklist savoir ce que remplit ou pas le projet, c'est quelle est la vision d'auteur donnée. Et parce qu'on raconte des histoires, et j'y tiens beaucoup au Story Lab, mais aussi toujours avec une vision d'auteur ou d'autrice. Et ça aussi, j'y tiens beaucoup. Ok. Très bien. Camille, en un mot ou pas ? Un mot, disons que... En fait, j'ai l'impression que tout a été dit, mais moi, je me dirais qu'en fait, je m'en fiche que ce soit de la VR ou d'un film ou un 300. Il faut juste qu'à chaque fois, l'écriture justifie le médium, quoi, c'est tout. Donc, il faut d'abord partir d'un bon scénario et de bonnes intentions d'expérience. Donc, faire de la VR parce qu'il faut en faire, c'est absolument pas une raison. Très bien. Une autre question ? Oui, une autre question donc de Benjamin Efrati, qui est doctorant à l'EHESS, où il travaille sur les jeux vidéo préhistoriques. Et il voudrait savoir si c'est l'équipe de développement initiale de Far Cry Primal, l'équipe de 2016, qui a travaillé sur les éléments repris dans Lady Sapiens, ou est-ce que ça a été confié à une autre équipe chez Ubisoft ? C'est précis, ça. Alors, l'équipe de développement original est en train de développer le prochain Far Cry.
Donc, non. Effectivement, j'ai une équipe dans mon département New Business. Mon département, en fait, il vise à prendre les marques ou les expertises du groupe et aller au-delà du jeu vidéo. Donc, on travaille dans plein de secteurs différents. On travaille dans la santé, on travaille effectivement avec les documentaires, avec les musées. On a travaillé aussi avec Renault, avec Air France. Donc, dans des domaines très, très variés. Mais on part de cette matière qui a été créée pour les jeux. Donc, on a une matière qui est extrêmement riche. Et à partir de là, on peut faire d'autres choses. Donc, moi, j'ai une toute petite équipe de développement dans mon département qui a cette capacité à développer en réalité virtuelle ou en réalité augmentée et qui va puiser dans la matière qui existe chez Ubisoft pour créer autre chose. Et c'est pour ça que j'expliquais tout à l'heure, dans l'expérience VR, on part d'une bibliothèque d'éléments graphiques qui ont été créés pour le jeu Far Cry Primal. On reprend ces éléments, on les exporte et on va les mettre dans un moteur spécialisé pour la VR, en l'occurrence sous Unity, pour créer une expérience différente. Mais on n'a pas besoin de l'équipe originale du jeu pour le faire. Alors, ils regardent quand même ce qu'on fait, on les informe quand même, mais ça s'arrête là. Ça pourrait être le mot de la fin, ça s'arrête là. il est pile poil dans les temps. Donc il va être en effet temps de nous quitter. Je voudrais remercier à la fois Camille et Sophie, que moi j'ai devant, je ne sais pas vous comment vous les avez, et ensuite Déborah, Jeanne et Alexandre qui sont venus à mes côtés, d'avoir bien voulu partager leurs expériences. Merci à la BNF et à son équipe pour cet accueil à la fois chaleureux et professionnel. Et puis merci à vous qui êtes encore devant vos écrans d'ordinateur. Va falloir tout lâcher et puis prendre un peu l'air, même si... Hein, voilà. Moi, je vous donne rendez-vous du 19 au 24 juin à La Rochelle pour Pixie Festival. Merci à la BNF de mettre notre nouvelle affiche. Donc, 5 lieux, Muséum d'Histoire Naturelle, Musée du Nouveau Monde, Salle Basse de la Tour de la Chaîne, gérée par le Centre des Monuments Nationaux, Aquarium de La Rochelle et Gare TGV de La Rochelle, sont ouvert à l'accueil d'installations immersives. Il y a un appel qui a été lancé, un appel international. La deadline, c'est le 22 avril. Vous avez 2 semaines. Merci et bonne soirée, bon week-end. Merci.